Plusieurs personnes se disent qu'il suffit tout simplement d'aller dans les réglages, ensuite général, ensuite descendre vers le bas et aller dans transfert ou réinitialiser l'iPhone. Et puis on appuie sur effacer le contenu, les réglages. Et là, tous les contenus et réglages seront effacés. Alors, figurez-vous que c'est faux parce que lorsque vous faites cela et que peut-être un hacker prend votre téléphone, alors il est capable de faire revenir toutes vos données personnelles et sensibles. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution qui va vous permettre de faire le formatage de votre iPhone de manière permanente. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. L'application que je vais vous présenter dans cette vidéo, elle est capable de faire le déverrouillage des FRP pour Android, faire le MDM pour les iPads et les iPhones, ainsi que supprimer le verrouillage de votre iPhone. Donc si votre iPhone est verrouillé sur le mot de passe ou alors sur iPhone indisponible, alors c'est possible grâce à cette application de tout simplement réinitialiser votre iPhone. Elle est aussi capable de changer la localisation sur iPhone et Android, transfert des données WhatsApp entre iPhone et Android et vice versa, récupération des systèmes sur iPhone et Android, transfert et récupération des données sur iPhone et Android, et enfin la gestion des mots de passe sur iPhone et Android. Donc tous ces trucs là, vous serez capable de gérer ça grâce à cette application que je vais vous présenter. Mais avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner ainsi que toucher la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Et pour tous ceux-là qui veulent apprendre, alors actuellement, il y a deux formations, notamment la formation en bypass iCloud et aussi la formation en déblocage officiel. Donc, cliquez tout simplement sur le lien de la formation à la description de cette vidéo afin de pouvoir profiter de cette formation. Mais avant de commencer cette vidéo, dites-moi dans les commentaires, entre iPhone et Android, quel est votre préféré? C'est ça. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez entre iPhone et Android. Alors, si vous êtes un Apple fan ou encore un Android fan, j'attends vos commentaires. Donc, tout ce que vous aurez besoin ici dans cette vidéo, c'est de cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo. Vous allez être dirigé sur cette page. Ici, vous avez la possibilité de télécharger sur Windows ainsi que sur macOS. Donc là, je peux tout simplement cliquer ici pour télécharger la version macOS. Et là, si vous êtes sur Windows, alors tout va s'afficher comme sur Windows. Donc ici, on a la possibilité de faire la gestion de nos différents téléphones, c'est-à-dire iPhone et Android, et toutes les fonctionnalités de cette application là. Et maintenant, on a la possibilité de télécharger cette application et de l'essayer gratuitement. Donc on va cliquer sur téléchargement gratuit afin de pouvoir essayer l'application gratuitement. Donc ici, ce qu'on aura besoin, c'est tout simplement de notre appareil. Voici l'interface de notre application. C'est une application plusieurs en un, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Et ici, on a la possibilité de voir si on a mis notre iPhone, que ce soit iPhone. Alors là, on va tout simplement connecter notre iPhone ou encore notre Android. Donc lorsqu'on clique ici, vous allez voir que voici les différentes fonctionnalités que cette application est capable d'offrir, notamment supprimer l'écran de verrouillage, faire la virtualisation de notre localisation, faire le transfert des données sur WhatsApp, ainsi que plusieurs autres fonctionnalités comme vous pouvez voir là actuellement. Maintenant, nous allons connecter notre iPhone à notre PC. Donc là, actuellement, voici mon iPhone XR. Là, cette application, ça marche sur tous les iPhones et aussi les iPads ainsi que plusieurs Android. Une fois connecté, l'application va détecter automatiquement. Donc si on vient dans les applications connectées, vous allez voir que on dit que j'ai mon iPhone XR qui est connecté. Voilà, on peut faire la gestion de nos différentes photos ainsi que les musiques. Donc on peut faire le transfert des musiques directement dans notre iPhone. Et voilà les caractéristiques de notre iPhone qui sont affichées là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans Toolbox. Et ici, on va aller dans supprimer les données parce que voici ce qui nous intéresse. On va faire la suppression des données dans notre appareil iPhone XR. Voilà. Lorsque vous allez cliquer là, alors l'application va vous permettre de tout simplement avoir cette fonctionnalité là qui va nous permettre de supprimer tout de manière permanente. Alors voici une autre application qui se trouve dans l'application. Alors là, voici l'application qui a détecté notre iPhone. Donc on va sélectionner notre iPhone là. Donc on va sélectionner l'iPhone XR. Et maintenant on va cliquer sur Next. Comme vous pouvez voir, l'iPhone est en train de se connecter à notre PC. Ok, la connexion a été effectuée et là, on va tout simplement cliquer sur démarrer. Donc ici, vous pouvez tout simplement supprimer toutes les données de notre iPhone. Et aussi ici, ça permet de supprimer certaines données spécifiques. Et ici, ça permet de récupérer tout simplement de l'espace de notre iPhone. Donc par exemple, votre iPhone affiche le message stockage plein. Alors avec ceci, vous avez la possibilité de libérer l'espace de votre iPhone. Donc ici, on va cliquer sur Erase All Data. Donc ça va permettre de supprimer toutes les données. On va cliquer sur Start. Donc ici, on peut augmenter le niveau de sécurité. Ici c'est medium, mais là high level. Donc là, ça va permettre de supprimer complètement les données de notre iPhone. Ici on va entrer le code 60 et ici on va cliquer sur supprimer maintenant. Maintenant la suppression va commencer.
Voilà, tout est terminé maintenant. Comme vous pouvez voir, on va tout simplement activer notre iPhone. Je tiens déjà à dire merci à notre sponsor d'aujourd'hui. Voilà maintenant, comme vous pouvez voir, notre iPhone a été formaté et tout est OK. Cette application, ça marche sur tous les iPhones ainsi que les iPads et aussi tous les Android. Donc, vous allez tout simplement vérifier dans le site le premier lien à la description de cette vidéo afin de voir les caractéristiques de cette application ainsi que les appareils qui sont compatibles avec cette application. Et si vous avez votre iPhone qui affiche le message iPhone limité au propriétaire, donc c'est-à-dire c'est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud et on vous demande l'identifiant Apple et le mot de passe, alors cliquez sur la vidéo qui s'affiche là et j'attends vos likes, ensuite vos commentaires.